Alors, bonjour à tous, ici c'est FlowsTU, FLowsTU, et aujourd'hui, nous sommes sur Opération Flashpoint Red River. Alors, il paraîtrait que ça serait le FPS hardcore. YOLO! Je sais pas. Il paraîtrait que ça serait le... Là, putain, c'est fort. Il paraîtrait que ça serait le FPS... Je voudrais faire le plus réaliste. Moi, je fais encore plus hardcore. Jour 1. Commencer. La difficulté est d'or, me propose une vidéo visuelle à l'écran. La difficulté. Hein? Difficulté hardcore, mais avec une. Ouais, on va peut-être comme ça. Vous avez choisi. Permettre. On va commencer, vous perdez les points de contrôle existants. Continue. Ouais. Kirby. Il y a 2, il y a 3, il y a 4. Waouh. J'ai l'air bien. Flo, il y a 2, il y a 3, il y a 4. Suivez-moi. Un truc de malade. Go. On regarde la cinématique. Codemasters presents. I fucking love this song. So who had a ray gun? No, fucktard. Not ray gun. Reagan. Ronald Reagan, 40th president of the United States. Whatever, dude. Reagan had to deal with all this same stuff in the 80s. Insurgents trying to overthrow their governments. Back then, the Afghans went crying to the Russians for help. Facts. This pisses Reagan off so much, his boys whip up Operation Cyclone. Use the CIA to arm and train the Mujahideen, one of these CIA-trained badass Lawrence of Arabia SOBs who kicks the Russians out of Afghanistan. Si vous arrivez à lire, ça va. Moi, pour moi, ça va un peu trop vite pour moi, tu vois. True story. So the Mujis kick Russia's red ass across the sand, the entire Russian economy collapses, and goodbye USSR. Now America has no more bad guys to fight. Oh, go America! It's your birthday! But in the meantime, Osama and his now well-armed Al-Qaeda brothers start screwing with everybody. Egypt, Algeria, hell, he's blown up half the Middle Eastern governments trying to create a unified Muslim country. But here's the thing, the people don't want it. Why? Don't know. Maybe they like their lives how they were. So he deems them all viable targets. He started blowing up his own fucking people? Man, that's fucked up. Yeah, that's why they're called terrorists, douchebag. So, Bush Sr. becomes President 41. Before we know it, he's balls deep in Kuwait fighting Saddam for blah, the blah, blah. This pisses Osama off so much, he starts mouthing off about Vous Saudi pas si on Arabia. Passe? So the Saudis Honnêtement, la cinématique est super bien faite et tout. C'est ça, non. Waouh, putain, c'est tellement bien fait que ça va être un jeu de merde, tu vois, ça te fait chier. Et voilà quoi. On a un American. Le mec qui balance America, America tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fuck you, bitch. The Marines are balls deep in Iraq, Afghanistan, and now this butthole. The war on terror's got a plug to pull on the septic tank of insurgents. This place is the drain stopper. J'ai pas envie de passer parce que j'ai envie de comprendre un peu ce qui se passe, tu vois. They got banished, kicked out, had nowhere else to go. They came here. Anyway, it's the ETIM you really need to be worried about. The ETIM. Ah, c'est les mythos. C'est les mythos donc il faut se méfier. Dangereux les mythos. Attention. China caught some of their leaders and executed them publicly via firing Bam. Squad. Bam. Headshot. Mais le mytho, il and a changé. So they killed those Chinese athletes last year at the Olympics. So what do you think, Sergeant Kirby? You've seen the most action out of all of us. Back at Pendleton in what, 2 weeks? The insurgents are well trained and they've been fighting the PLA for a lot of years. So this is not going to be easy. C'est le mec qui dit que ça va pas être facile et tout se battre quoi. Ça va pas être facile les gars, il dit sur un ton tellement épique. Ça va pas être facile les gars, faudra faire attention. Gâcher la vidéo. Hurra. Je sais pas ce qu'il a dit là. Hurra. Welcome to Tajikistan.
putain, je l'ai dit sans flancher. Tadjikistan. Hardcore. Sanction. Non, qui permet son fichier de pénaliser les mérites sans passer par la cour martiale retenue par seule rétroaction. Join direct. Bombe, guidage GPS. Bombe pesée de 230 à plus de 900 kg. Les armes à ramasser apparaissent sur le radar. À gauche de la TH uniquement disponible au niveau de difficulté normal. De 1997 à 2016, Tadjikistan a connu une guerre civile très violente opposant les troupes du gouvernement, soutenues par Russie aux forces séparatistes. Nom de Dieu! Qu'est-ce que c'est que ce tas de merde qui vient de me tomber sous le nez? Non! Laissez-moi deviner! Vous êtes ma nouvelle unité! Ouais, déjà, ça va le faire avec une sensi pareille. Oui. Oh putain, je suis complètement foncedé! Comment. Non, confirmé. Oui, sergent Chet. Fantastique. Waouh. Prenez vos merdes et suivez-moi. Waouh. J'ai l'impression de me trouver dans Oblivion. Waouh. Putain, mais t'es souple comme un gamin, merci. Écoutez bien, parce que je dis des choses une seule fois. Vous avez pas le droit aux questions. Ah oui. Ah oui. Non, vous avez vu quoi, CBC? De vrais marines ont été déployés ici, dans l'extrême nord de l'Afghanistan. Oh la vache. Ça fait un moment qu'on attend le feu vert des cuirassés de Washington. Oh putain, attends, il s'est mis à terre. Un marine c'est pas Call of Duty, attention. Oh là. Mais quelque chose me dit que vous rateriez un porte-avions avec un bazooka. Les gars, c'était pas l'heure de se coucher, c'était... Hop. Mais sûrement, allez. Yo! Oh putain, t'as pas l'air en forme, toi. Non, moi, je... Bougez-vous, Maritz! Je me bouge, j'arrive, mec. Oh, ouais, vous pouvez courir pendant un temps limité. Merci. Vous imaginez? Call of Duty serait plus réaliste? Alors, ça ressemble... C'est pas le grand luxe, mais c'est... Préparez-vous, Maritz! Voyons ça. Ce que vous savez faire. Terminé l'entraînement en stand de tir. Bam! Je ne fais pas d'illusion. Mais voyons un peu si l'un d'entre vous est réellement capable de toucher quelque chose. N'oubliez pas, chaque balle compte. Ah ouais, ça marche bien, mais... Vous vous foutez de moi? Vous avez passé vos 2 mois de formation planqués dans l'infirmerie ou quoi? Peut-être accroupi, vous aurez une petite chance. Je dois taire. Ah oui, d'accord. Et n'oubliez jamais ma règle numéro 6. Mais ils indiqueront en fait. Emportez toujours un maximum de munitions. Ah. Il ne s'agirait pas de vous retrouver à sec dans un moment critique. Ah. Vous savez vous servir d'un levier de sélection de tir, tas de cons? Alors faites-le. Bam. Et changez de mode de tir. Tirez quelques rafales. Je dois m'assurer qu'on parle bien la même langue, vous et moi. Je vous rappelle que vous avez 2 armes. Sortez la deuxième. Oh. Vous allez tous tester vos armes. La poussière est un vrai fléau. Et en plus... Tirez comme des vrais. On a des munitions dans la caisse. Rassemblement. Ça, ça fait commando style. Wow. Le mec. Prenez les munitions dans la caisse, bande de tas de fumier, bordel de merde. Tu crois faire la marionnette avec 1m80 parce que t'es noir, hein? Putain. Voilà, bon, je sais pas, c'est... Ça commence à devenir lourd, tu sais. Putain, j'ai passé 10 minutes à rien foutre, quoi. C'est le camp d'entraînement le plus réaliste au monde. Salut! Je rêve! Ces enfoirés ont osé balancer leur merde sur nous! Et le mec, il dit ça d'un ton hyper calme. Bravo, bravo! Vous l'avez compris, c'est une attaque! La première de la semaine! Votre tour! À toutes les unités, ici à Outlo. Les tirs de mortier viendraient de plusieurs villages abandonnés situés à la frontière du Tadjikistan, à 1500 mètres au nord-ouest. À Outlo 2, vous allez devoir nettoyer l'un de ces villages. Ça devrait être facile. Prenez les bleus avec vous. Terminé. À Outlo 3 sera là en soutien et protégera le convoi. À vous. Bien reçu, à Outlo. Terminé. Génial. Oh,
Bravo, vous avez vraiment une veine de cocu. En voiture tout le monde, allez bon sang, on se bouge. On a une mission à remplir à l'intérieur de la frontière. Des tactiques ont été assez putain, c'est vraiment... pour essayer de détruire notre base avancée. Ils vont apprendre à leurs dépens qu'on n'est pas là pour plaisanter. Je peux monter... Oh mais... Putain, c'est pas parce qu'on est des bleus que... Les gars, putain c'est lourd, vous êtes lourds les gars. Franchement c'est pas cool. Allez, montez dans le Humvee. On dégage. Dans lequel il y en a plein mec des Humvee. Putain, il conduit encore. Allez, monte. Charger, crois, pour prendre la place de ta chargeur. Ok. Dans le Humvee. Maintenant, bravo. Putain, ils sont lourds. Allez, monte toi, gros con. C'est la galère. Dans le Humvee. Allez. Maintenant, bravo. Yessi. Putain. Merde. Oh putain. On se casse. Grimpez dans le transport, Marine. Putain. Toi, Johnny, t'es lourd. Putain. Quel gros con. Merde. Rentrer là-dedans. Allez, montez dans le Humvee. On prend l'autre, pas grave. Move. Putain, les gens, ça doit être vachement intéressant. Vous m'avez vu pas bouger du corps d'entraînement depuis tout à l'heure en fait. Amazing. Putain, ils sont tous. On doit y aller. Embarquez, bordel. Mais ferme là, mec. Vous avez rempli toutes les caisses et vous nous avez pas laissé une place. Taylor, avec moi. Ici Taylor, à vos ordres. Putain mais Taylor. Dans le Humvee. Go. Maintenant. Go. Bravo. Non mais ça y est, je peux plus monter. Voilà, Taylor monte. Et où c'est con. Taylor. Wow. Taylor. Allez, montez dans le Humvee. Non mais ça y est. C'est long putain. Allez monte gros tebu. Taylor, montez. Oh putain. Que j'allais mourir ici, tu sais. Ça, le temps qu'ils ont mitraillé. Waouh, mais c'est trop bien fait. C'est le FPS, franchement, le plus réaliste au monde. C'est pro-américaniste. J'espère que ça va pas être encore ici, net. Le pire, c'est rock'n'roll, baby. Yeah, Team Kajakistan. Juste d'arriver et déjà une mission. Vous allez peut-être me porter chance, mais quelque chose me dit que cette opération va être la pire de l'histoire depuis Little Bighorn. Normalement, il faut des mois aux meilleurs soldats pour intégrer mon peloton. Alors vous avez intérêt à me siffler l'hymne des Marines par le trou de balle si vous voulez garder votre place ici. Bordel, vous méritez pas l'honneur de servir sous des ordres. Non mais c'est pas possible. Quelqu'un a dû trouver ce matin un ticket doré dans sa ration. Mais ça fait bande de petites merdes. Je vais effacer toutes les conneries qu'on a pu vous apprendre pendant les 3 mois que vous avez passé à glander dans ce camp 50. Excusez-moi. On l'appelle Kaboul. Je vais faire de vous des putains de machines à tuer. De vrais samouraïs qui combattaient un jour. Voyez-moi les filles, c'est possible. Prophète, notre unité d'enseignement, ce qui est de la merde chose. Dans les oreilles, Crisis a appris des choses intéressantes. Les troupes ennemies traversent la frontière depuis déjà un mois. On navigue en peinard sur la rivière rouge. C'est lourd. Ces cafards s'enterrent un peu partout dans la région. C'est le mec en fait de moi. Putain, j'en ai trop pris gros, j'ai la fonce d'une énorme bombe d'insecticide. Oh, putain, qu'est-ce que je vois là. Ce bataillon va être le premier le mec, à entrer au Tadjikistan. Mais j'espère bien qu'on sera les derniers à partir. Entier, dans des sacs à macabre. On attend que le feu vert de l'état-major. Les Tadjiks savent qu'on est là et ils nous détestent. Leurs frappes de mortier sont comme les greluches au pays. Elles se jettent constamment sur les marines autour de vous. Alors autant vous y habituer, vous pouvez rien y faire. Ces frappes sont mal coordonnées. Elles ne servent qu'à nous perturber. Souvent, ces types donnent 5 dollars et un flingue à des gamins dans les fermes pour qu'ils nous tirent dessus. Une fois leur chargeur vide, ils rentrent chez eux. Le problème, c'est que la récolte de pavots a été bonne cette année. Et ça paye un paquet de flingues. Ouais, je sens que ça va pas tarder à péter. Bah, j'espère aussi. 15 minutes. J'ai rien. Vous avez gagné cette guerre tout seul, Alpha. Waouh. Contentez-vous déjà de nettoyer ce village à la con.
Ensuite, bon. Non, faut pas cacher que ça fait réaliste. Honnêtement, la SF. Faire réaliste. Oh, j'ai pas regardé un truc. J'aurais dû regarder si on voyait cette pièce. C'est le seul moyen de voir si ça fait réaliste. Quelles sont les règles d'engagement, sergent chef? Vous pouvez buter tous les enfoirés que vous soupçonnez d'être armés ou qui utilisent une radio ou un téléphone. Ces connards nous pilonnent joyeusement depuis une heure et la moindre tête de nœud équipée d'un portable pourrait être un observateur. Une heure? Alors, si vous voulez survivre à votre premier jour, préparez-vous. Ah, t'en fais pas, mec. Moi, j'ai tout prévu. J'ai posé les petits gâteaux dans mon sac pour pas crever de faim là-bas. Hein, t'as beau, hein? Descendez de là, allez! Oulô! Faites entrer vos gars dans le village. Faut que je suis fériste, alors. Attention. Courir. Faites entrer. Allez, go, 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 go! Ouais. Obéissez! Allez, go. Taylor, on se regroupe. Ici Taylor, je vous rejoins. Allez. Pas à l'ombre d'un civil, j'aime pas ça. Ce village sent les ennuis à plein nez. Charlie, en reconnaissant sur la droite. Bravo, sur la gauche. Alpha, avec moi. Ah, c'est parti! Charlie en position, sergent chef. Alpha, paré à faire feu, sergent chef. Ici équipe Alpha, contact. Putain, regardez. On est des gros pelots, je sais pas ce qu'il y a à faire, les gars. Allez, mettez-vous l'abri, bordel. Bon. C'est maintenant. C'est qui, ça? Bon. Rampank. Manœuvre. Allez. Taylor, avancez. Ici Taylor, nettoyez le bâtiment. 50 mètres nord-est. Oh, ici Taylor. Chiant. Bien. À vos ordres. Ici équipe Alpha. On est en contact. Fantassin, 50 mètres est. Cible éliminée. Fermez sa gueule maintenant. Voilà. Ici équipe Charlie. Contact. Wow. C'est ça, expérimenté. Alpha, Charlie, avancez, bougez-vous. Ennemi repéré, oh, nord. Cible éliminée. On se fait canarder. Fantassin, 25 mètres, ouest. Encore un mort. Ouais, grave. J'ai touché. Y a un mec là en haut. Ça se présente mal. Je recharge. Je suis sous le feu. On peut rien faire, ça tire de partout. HS. Ça tire de partout. Putain, j'ai connu des missions d'infiltration qui bougeaient plus que ça, quoi. Ça tire de partout. J'entends des coups de feu. Bon, ferme ta gueule. Je suis Chuck Norris. Oh, mon poids rouge, je déplace. Oh, putain. Allez, les gars. Je sais pas ce que vous voulez faire. Ordonner les déplacements. Ouais. Putain, c'est long, mais c'est long. Ici, équipe Alpha. Allez. On se fait canarder. Taylor, tenez ce bâtiment coûte que coûte. Ici Taylor, reçu. Non, il a dit d'accord. Fantassin, 50 mètres, nord-est. Mais putain, mais... Taylor, tenez ce bâtiment coûte que coûte. Taylor, virez-les de ce bâtiment. Ici Taylor, à l'assaut. On a sécurisé le bâtiment. Ici équipe Charlie, on est sous le feu. Oh, Charlie. Oh, il sent ce putain de tatu qui est dans le merde. Il peut pas sauter. Oh mon dieu, il peut pas sauter, Joe. Yo. Salut les gars, ça va? Putain. J'ai jamais vu. Je me suis jamais baladé dans un camp ennemi aussi facile. Oh, je suis touché. Oh, putain. Fantassin, 50 mètres, ouest. Connard. Ah. C'est qui lui? On doit faire quoi, putain? Je recharge! C'est fini! Eh? Je crois que je m'en... Doc, venez vite! Négatif! Ah, tu vois... Mec, il stoppe l'hémorragie avec un sac. C'est Chuck Norris. Donc je sais pas ce qu'il faut faire, donc écoutez, on va se bouger.
On va avoir l'équipe Alpha 89. Oh, changement de tir, voilà. Une belle variable. Ennemi en visuel, oh, fantassin, 25 mètres, oh, dans l'ouest. Et boum! Voilà, boum. Équipe A, avancez. Ouais, je me crois d'un peu dans ça. Ne tirez pas, contact ennemi. Bam, headshot, t'es descendu toi. Mais pourquoi? Je comprends rien, ce jeu c'est chiant, c'est lourd, putain de merde. C'est une erreur de... ordonner les personnes. Taylor, avec moi! Ici Taylor, je vous rejoins! Yo! Qu'est-ce qu'il faut... quelque chose. 50 mètres, nord-ouest. Qu'est-ce qu'il faut faire quoi? Putain mais... Taylor, avec moi! Ici Taylor, suivez la cible, fantassin! Ici Taylor! Reçu, je m'en charge. Mais putain mec! Y'a rien à faire dans ce putain de jeu de merde ou quoi? Alors? Ouais, il paraît qu'il y a encore un ennemi là. Peut-être indiquer un sous-radar en rouge quoi. Bon, je vais le chercher de toute façon parce que personne va y aller. Je dois me dévouer de toute façon. Un de footeur de merde, t'as petit branleur. Ah, je suis touché! Ça tire une balle? Non. Kirby s'est fait allumer! Pas moyen! Waouh! Le mec. Le plus inutile du monde! Ce mec. Bouge comme un. Sowi! Mené. Attaquer. Laisser. Oh là là, je comprends rien. Non mais faut plus. Oh non, mais ça, j'ai pas recommencé. Si vous êtes touché, utilisez la trousse si vous avez le temps. Pensez à la blessure correctement. Le fantastin est le monde plus pauvre hollandais. Il adapte ses compétences et son équipement à toutes les situations. Utilisez pour engager l'ennemi et appuyer vos coéquipiers. Oh yeah! Hardcore fantastin! Je comprends pas en fait pourquoi c'est pas intuitif de base. Oh non mais sérieux quoi. Ça, vous êtes le nouveau chef de l'unité. Ah putain, je vais encore le diriger. C'est qui de m'énerver? Obéissez! Ta gueule, je te colle une balle, toi. Va te faire fou. Mais il est oh mais c'est... Ouais bah je te colle une balle. Ta gueule, ferme ta gueule, mais ta gueule, j'ai dit quoi? Charlie, en reconnaissant sur la droite. Bravo, sur la gauche. Un fou des soldats. Avec moi. Putain. Ah, c'est parti. Allez, bon. Charlie en position, c'est ça. Cherche un bâtiment en gauche. Alpha, paré à faire feu, sergent chef. Taylor, redéploiement. Ici Taylor. Allez. Taylor, avancez. 25 mètres, nord-est. Taylor, avancez. Taylor, nettoyez le bâtiment. 25 mètres, nord-est. Ici Taylor, à l'attaque. Ici, on équipe Alpha, contact. On nettoie le bâtiment, gros. Bon là. Ah oh. Ennemi repéré. Est. Adafrodidan. Adafrodidan. Bam. Adafrodidan, my friend. Merde, ils m'ont eu. Ici équipe Charlie. Fantassin, 25 mètres, ouest. Merde. Deux. Arrosez ma cible. HS. Ici équipe. Taylor, virez-les de ce bâtiment. Alpha, Charlie, avancez, bougez-vous. Équipe, Baléto est à terre. Baléto est ennemi à terre. Ennemi repéré, nord-ouest. J'en ai rien. Ici équipe Charlie, wow. On est sous le feu. Ouais, c'est bien. On va passer bien. Ennemi repéré, nord. Point barre. Qu'est-ce que tu fais, gros? Ennemi repéré, nord-est. Y'a des blessés. Oh. Ici, Baléto. Wow. Couillez-vous, l'ennemi va pas m'attendre. Il a des balles dans la tête, quoi. Crois. Quelqu'un va m'aider. Ennemi repéré, ouest. Ça se présente mal. Et boum. Soto a pris cher. Soto a pris cher, non, mais... Non, je saigne. Doc, putain. Ça se présente mal. J'ai une cible, nord. Le mec, il saigne tout le temps. L'homme saigne plus au monde. Allez. Ici équipe Alpha, contact. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Allez. Règle numéro 5. Oh culé. Le touch de merde.
putain. Oh là, ici, équipe Alpha, on est sous le feu. Ici, tu fleuris. Je saigne, Doc. Oh. Amen. Kirby est à terre. Je ne vais pas pouvoir. Ça se présente mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va pas me sauver, ce con. Il va pas me sauver, ce con. Vous êtes encore mort. Putain. Bam. School of Infantry. Deuxième étape de l'entraînement militaire pour le marine américain. Car un marine est un fantassin avant tout. Dans le doute, repliez-vous. Ne combattez pas si vous êtes sûr de perdre. Si l'ennemi réussit à vous coincer, faites un repli tactique et trouvez une autre approche. Acronyme communément utilisé pour désigner la zone d'atterrissage, ZA. Hardcore YOLO ZA. Ah putain, il veut encore gueuler. Je mettrais bien une balle à ce temps. Vous essayez de m'énerver. Ta gueule, ferme ta gueule, regarde, je suis compliqué toi. Bon, je prends mon unité. À l'ombre d'un civil, j'aime pas ça. Ah ben. Les villages sont les ennuis à plein nez. Charlie, en reconnaissant sur la droite. Bravo, sur la gauche. Alpha, avec moi. Ah, c'est parti. Charlie en position, sergent-chef. Alpha, parez à faire feu, sergent-chef. Taylor, nettoyez le bâtiment, 50 mètres, nord-est. Ici équipe Alpha, contact. Fantassin, 50 mètres, est. On est sous le feu. Ta gueule. Je fais un soldat, motherfucking. Voilà. Lui, on va s'en occuper. Équipe, arrosez ma jet. Alpha, Charlie, avancez, bougez-vous. Ici équipe Charlie, on se fait canarder. Voilà, je m'infiltre discrètement derrière les ennemis. On perd des gars ici. Pas la foutre. Fantassin, 25 mètres, ouest. Quoi? Comment il m'a vu? Ennemi repéré, ouest. On s'en prend plein la gueule ici. On est dans leur champ. On m'attaque. Ah merde. Cible abattue. Ça devient sérieux là. Bon, moi je crois que je vais arrêter, hein. Hein? Parce que QZ t'a dit qu'il me descend tout le temps, de toute façon, hein. Mais non, mais frère. Alors, opération Flashpoint, Red River, un bon temps entre amis. Pour bien. Je sais pas en fait, c'est, je comprends pas l'intérêt de ce jeu. Bah. C'est, non, je comprends, c'est bien. Honnêtement, c'est bien comme jeu, c'est réaliste. Et, oui, mais. Bah. En fait, ça essaye d'être réaliste, mais ça n'a aucune crédibilité. C'est trop bien. Ce jeu est vraiment trop réaliste. C'est capitaliste, l'armée. Non, franchement. Opération Flashpoint Red River. Ça change. C'est tout ce que je peux dire. Mais. Voilà. Voilà, tcho. Non, mais. Voilà. Moi, c'était pas trop mal. Bon, bah. Salut à tous. C'était Flustu sur opération Flashpoint Warrior pendant l'été. On va au Kadjikistan. Encore Kadjikistan. Allez, salut à tous.